Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de l'éternité. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour son merveilleux. Merci, Père, pour la lecture de ta parole. Bénis-la, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez appelé, Seigneur, bénisse. Alors, j'ai choisi ce petit sujet que j'appelle petit mais qui est grand. Donc, la notion de l'éternité. Ici, la Bible nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. C'est avant la fondation du monde qu'il nous a déjà choisis pour être saints et irrépréhensibles. C'est-à-dire que la raison de l'élection, c'est pour être saints et irrépréhensibles. Amen. Amen. Quand il nous avait choisis là, il n'y avait pas de corps. On n'était pas encore manifesté dans la chair. Mais dans sa pensée, il nous a déjà choisi. C'est-à-dire qu'il avait un plan dans sa pensée qu'il va réaliser. Parce que quand nous disons que nous sommes dans l'éternité, ça paraît quelque chose de bizarre. Nous allons voir l'éternité, c'est quoi, selon le frère. Je vais d'abord lire ce passage. Le frère a dit ceci dans le psaume. You begin your eternal life right here at the altar. Here's where you start eternity. Vous commencez votre éternité ici. C'est ici que vous commencez votre éternité. Amen. Bon, ici, le Père a dit que l'éternité, ce n'est pas un endroit géographique. Ce n'est pas que nous sommes en train de marcher. Et après, nous entrons dans l'éternité. C'est ça la pensée humaine, la pensée des gens de l'Église. Parce que quand nous disons que nous sommes dans l'éternité, les gens pensent que nous sommes des fous. Frère, vous allez au travail, vous dites que vous êtes dans l'éternité. Mais d'abord, l'éternité, c'est quoi? Si tu lui poses la question, frère, toi tu es éternel, oui, moi je suis éternel, je suis prédestiné. Mais pour être éternel, tu dois d'abord être dans l'éternité. Amen. Tu dois être dans l'éternité. On a pris l'éternité de Pentecôte, c'est ça qu'on a mis dans nos pensées. C'est-à-dire que nous sommes en train de marcher, un jour nous allons rentrer dans l'éternité. Moïse était un homme éternel. Noé était éternel. Tous ces gens-là, ils étaient des éternels. Même Adam, il était un homme éternel. Amen. Amen. C'est là que le Père dit que l'éternité peut commencer ici. Mais qui va dire non à ce passage? C'est ce que le Père dit. Un être éternel, c'est celui-là qui a demeuré dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Et quand cet être-là maintenant arrive maintenant à comprendre ce qu'il est, il prend conscience de ce qu'il est, c'est en ce moment-là qu'on dit qu'il est entré dans l'éternité. Parce que l'éternité, c'est une nature, c'est la vie de Dieu, Zoé dans l'homme. C'est ça qu'on appelle l'éternité. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, quand vous avez cette vie-là, vous êtes dans l'éternité. Le problème, c'est que Adam n'a pas été entré dans l'amnésie. Il ne savait plus qui il était. Amen. En ce moment-là, Dieu a commencé la rédemption avec les animaux. Mais la vraie rédemption est venue à la 70e semaine. C'est là que la vraie rédemption avait commencé. Et depuis tout ce temps-là, les gens ne connaissaient pas c'est quoi l'éternité. Ils étaient des éternels, mais ils ne savaient pas c'est quoi l'éternité. C'est jusqu'au temps de la fin qu'on nous ramène maintenant la pensée de Dieu, qu'on nous a prêté la prédestination, c'est là où nous avons pris position de ce que nous sommes. Amen. Et c'est ça l'éternité.
Le frère me l'a dit ceci. Vous commencez votre vie éternelle ici même à la terre. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, votre vie éternelle, elle commence ici même. Amen. Amen. Alors vous naissez de nouveau un fils de Dieu. Ensuite, quand vous mourrez, vous commencez, quand la mort vous frappe dans ce corps-ci, que le cœur cesse de battre et que les roues de la vie mortelle commencent à s'arrêter. Cette petite ombre qui était une ombre de l'ombre, une seconde plus tard, elle devient une ombre de l'ombre. Ensuite, elle devient l'ombre. Ensuite, elle devient un petit filet. Et ensuite, elle devient un ruisseau. Ensuite, elle devient une rivière. Ensuite, elle devient l'océan. Et au bout d'un moment, vous êtes en présence de vos bien-aimés. Et ce n'est pas dans ce moment-là que vous commencez la vie éternelle. Vous l'êtes déjà. Amen. Amen. Pendant que vous êtes dans la chair, vous êtes déjà un être éternel. C'est ce que le feu. Vous êtes en train de vous dire, mais revêtu de vêtements des corps célestes dans lesquels vous connaissez les uns les autres, vous aimez les uns les autres, vous êtes redevenu un jeune homme, une jeune femme de nouveau. Les catholiques disent que voilà, quand vous mourrez, vous recevez la vie éternelle. Non. Jésus a dit, si vous croyez à moi, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que vous êtes passé de la dénomination à la vie. Parce que la mort, selon Dieu, ce n'est pas entré dans un cercueil. Selon Dieu, la mort, c'est les âges de l'Église. Si quelqu'un est encore dans les âges de l'Église, il a encore la compréhension des Églises, c'est encore un mort. Quand on dit que Jésus est mort 7 jours dans les 7 âges de l'Église. Parce que la mort de Jésus là-bas, c'était un type. La véritable mort de Jésus, c'est dans les 7 âges de l'Église. Et lorsque maintenant Jésus ressuscite du tombeau, il nous donne maintenant la pensée de l'éternité qui nous redonne la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, on peut la voir que c'est lui qui a été dans la pensée de Dieu. Il prend conscience de ce qu'il était. Alors il comprend que, oh, je suis un être éternel. C'est comme j'ai toujours dit. William, quand William est né, William est né roi. Amen. Mais quand il était bébé, il ne savait pas qui il était. Il se promenait dans la rue comme tout enfant. Et il y a maintenant un monsieur qui était là pour lui enseigner, pour lui révéler simplement son identité. Donc le message de Frère Branham, c'est simplement une révélation de l'identité. Ça montre à chaque personne qui il est. Chaque personne, c'est quand quelqu'un lit le message de Frère Branham, il comprend qui il est. Voilà pourquoi vous voyez les gens parler du mal de Frère Branham. Il va insulter le Frère Branham. Moi, je demande, mais qu'est-ce que le Frère Branham a fait? Or, l'homme se retrouve simplement devant son identité. Amen. Il dit ceci. Modern events. So it says, for you are children of your father. Vous êtes les jeunes de votre père. And you were in your father. Yet your father had no fellowship with you because you was in death. Vous êtes un jeune de votre père. C'est-à-dire que quand votre papa jouait au football, vous étiez où? Amen. Voilà pourquoi on parle de l'héritage. On donne l'héritage aux enfants pourquoi? Parce que quand papa faisait le travail, quand papa était en train de travailler, il avait ses enfants en lui. Ses enfants-là sont lui. Voilà pourquoi les blancs ont compris. Le bien de papa, c'est pour les enfants. C'est pourquoi on appelle ça l'héritage. L'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose qui vous appartient. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Jésus ne m'a pas donné un héritage. Il est venu payer le prix de mon héritage. Pourquoi est-ce que c'est notre héritage? C'est parce que cela nous appartient. En tant qu'une partie de Dieu, l'héritage là, c'est-à-dire le livre de la rédemption, nous appartient. Parce que nous étions en lui. Frère Branham, quand vous étiez dans votre père, vous étiez lui. Quand vous marchiez, c'est quand il marchait, vous étiez en lui. Tout ce qu'il faisait, vous étiez en lui. Voilà pourquoi on avait parlé de la condamnation par
représentation. Quand Adam est tombé, c'est tout le monde qui est tombé. Et quand Adam est relevé, c'est tout le monde ce qui est relevé. Voilà pourquoi un jour, un témoin de Jéhovah m'a dit que non, Adam était perdu, Adam était parti en enfer parce qu'il avait chuté. Moi je lui ai dit, si Adam va en enfer, c'est que la rédemption a échoué. Amen. Parce que la rédemption était là pour racheter Adam. Parce que, frère, si on ne rachète pas Adam, on ne rachètera personne. Si Adam n'était pas tombé, personne ne serait tombé. Alors les attributs de Dieu ne seraient pas manifestés. Adam devait tomber pour manifester les attributs de Dieu. Amen. Maintenant, pour nous relever, il faut Adam. Maintenant, quelqu'un vient pour nous dire que non, Adam n'est pas sauvé, Adam est en enfer. Faux. Ça peut signer la rédemption. Ne suivez pas les chansons au chat d'avoir avec un musicien qui avait chanté chez lui. Pendant un temps, parce qu'il a dit que le pauvre allait en bon. Dis-le. Faux. Et les gens chantent ça. Ça entre dans le conseil des gens. Pensez que Adam est sur en enfer parce qu'ils ont mangé les fruits. Non. Comment est-ce que Frère Manon dit que Dieu ne pouvait pas perdre Adam parce qu'il est une partie de lui? C'est pourquoi nous disons que la rédemption, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Amen. Tu vas être une partie de Dieu pour hériter cet héritage. But you knew it not, and he knew it not. Tu étais dans ton cœur. Toi, tu ne le savais pas. Lui non plus, il ne le savait pas. But you must manifest that you might fellowship. That he might fellowship with you. And you being born again, you are born of eternal life, and that's the only one form of eternal life, and that's God's life. Zoe, the Greek word is Zoe, only one form of eternal life. Frère, si tu es éternel, il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle, c'est Dieu. Ça veut dire que si tu es éternel, ça veut dire que tu es Dieu. Amen. C'est ce que je dis. Ce message, c'est la prise de conscience. C'est la révélation de l'identité. Si ce message ne te montre pas qui tu es foutu. On a pris ce message pour commencer à construire les églises. Non, ce message n'est pas venu pour construire les églises. C'est venu pour construire les individus. Montrer aux gens qui ils sont. Amen. Quand il y a un appel devant l'hôtel, quand ils ont construit l'hôtel, chaque personne avait compris qui il est. Quand l'appel avait offert, on a accepté ce sacrifice. Et quand Caïn a offert, on a refusé ce sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris ce qui était dans la pensée de Dieu. Et personne ne peut prendre la pensée de Dieu s'il n'a jamais été sans Dieu. Amen. Les événements modernes, il dit ceci. C'est un cadre. Souvenez-vous, vous qui avez en vous l'Esprit de Dieu. Vous étiez en Christ parce qu'il fut la plénitude de la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire que, avant que je puisse être manifesté dans la chair, le jour que cette colonne de feu est descendue, moi je n'étais pas encore né. Moi j'étais où? J'étais là. Donc voilà pourquoi j'aime la photo là parce que moi j'y suis. Si vous regardez bien, vous voyez dans cette photo là. Même quand le niveau est descendu, je n'étais pas encore né. Et j'étais là. Et maintenant, l'incrédule de Dieu, mais vous êtes où? Lui, il cherche cet homme de chair. Amen. Non, je vais mettre ça clair. C'est-à-dire que le corps que vous voyez devant vous ici était dans mon père ou dans mon arrière-grand-père. Amen. Ce n'est pas de ce que je parle. On doit faire la part des choses. Mais l'âme qui est dedans, la nuée blanche, c'était là. Le frère Branham a appelé ça la photo de famille. Yes. Amen. Ça, c'est toute la famille de Dieu qui est descendue. Amen. Et la colonne de feu était aussi la famille, maintenant les âges d'église. Oui. Maintenant, après les âges d'église, la même colonne de feu se transforme en nuée de gloire. Pour nous montrer que nous ne sommes plus dans la nuit, mais nous sommes dans les jours. Voilà. On ne peut pas parler de la nuit après la descente de la colonne de la nuée. Voilà. Et Jésus dit, il venait comme un voleur dans la nuit.
Where are you going to sit? Elle va me dire que cette nuée est venue dès l'éternité. Ça vient de l'éternité pour clôturer les livres de la rédemption. L'histoire de la rédemption. C'est-à-dire qu'on avait dit à Daniel, celle va te coucher. Tout le monde avait dit d'aller se coucher. Ils attendaient. Femme dit que le monde entier attendait ce jour. Voilà pourquoi Femme a dit que je pouvais vivre au temps de Jésus pendant qu'il faisait le miracle. Ça serait bon pour moi. Il dit, mais si j'ai le choix, le plus bon moment à vivre, il dit, c'est dans cet acte. Amen. Il dit pas que c'est l'âge d'or. Amen. Golden age. Mm. Pourquoi? Parce qu'ici, là, c'est le moment où toute l'humanité attendait. Les arbres, les animaux, tous attendaient ce moment. Amen. Et lorsque la nuée est descendue, c'est pour nous ramener la pensée de Dieu qui est venue pour nous montrer que nous sommes des êtres éternels. Et dans chaque âge, Dieu envoie des gens pour faire le travail dans leur âge. Yes. Il a envoyé Moïse dans son temps pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a envoyé Noé pour construire l'arche, sauver les gens du déluge. Il a envoyé Jésus pour mourir à la croix. Oui. Il a envoyé le frère Branham pour faire sortir les gens de la Odyssée. Et il nous a envoyé pour approuver le jugement. Amen. Donc, chaque personne vient à son temps pour accomplir un travail. Amen. Parce que les gens pensent qu'après les âges de Christ, c'est fini. Non. Après les âges de Christ, vient le jugement. Amen. Parce que la pierre de fête est venue pour compléter la pyramide. Voilà. La pierre de fête, c'est aussi une partie de la pyramide. Faut quand même remarquer que la pyramide n'était pas coiffée. Une pyramide qui n'est pas coiffée, elle n'est pas complète. Oui. Elle est complète quand elle est coiffée. Or, la pierre de fête, ce ne sont pas les âges de Christ. C'est le couronnement des âges. Amen. Une épouse qui avait vécu, Jésus qui avait vécu, et on a une couronne qui est sur l'épouse. Il dit ceci de plus maintenant. Vous étiez en Christ parce qu'il fit la plénitude de la parole. Amen. Amen. En lui avec complètement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5:19. Croyez-vous cela? Voyez-vous, vous étiez en Christ, vous étiez une semence, une parole, une partie de Dieu dès le commencement. Puis vous avez marché avec lui sur la terre. Ah! Mais là, si moi je dis que non, vous voyez quand Jésus est encadré là, moi j'étais en lui, j'ai marché. Les gens diraient que je suis en train de mentir. Amen. Vous avez marché avec lui sur la terre. Vous avez parlé avec lui sur la terre. Amen. Amen. Vous avez souffert avec lui sur la terre. Amen. Frère Branham dit que vous avez vous-même payé le péché, le prix de vos péchés. Amen. Parce que quand Jésus souffrait à la croix, vous étiez à lui. Quand il criait, toi aussi tu criais. Voilà pourquoi Frère Branham dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Parce que l'épouse a déjà vécu la souffrance avec Jésus. Amen. Nous sommes en encore plus loin. Vous êtes mort avec lui sur le calvaire. Vous êtes ressuscité de nouveau avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui de nouveau. C'est-à-dire que moi je suis mort et je suis ressuscité. Frère Bazan dit à Frère Bazan, quel est votre bon moment? Frère Bazan dit maintenant. Il dit, Frère Bazan, est-ce que tu sais que tu es en train de mourir? Il dit, je ne peux pas mourir. Parce que je suis mort il y a longtemps. Je suis un jeune homme qui vit dans une vieille maison. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est éternel et Dieu seulement. Non, monsieur. Dans ce moment où nous vivons, après la descente de la nuée, on ne peut plus parler de la résurrection future. Ça n'existe pas. Jamais. Amen. Nous étions ressuscités en lui. En ce moment, vous êtes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes.
ligné avec lui dans la parole qui nourrit votre être. Pas votre corps. Amen, amen. Amen. Frère, madame, merci de ma âme. Amen. Ça, c'est vrai. Ce message est pour vivre, c'est pour vivifier les âmes. Vivifier une âme, c'est lui donner son identité. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui les prédicateurs, quand ils comprennent qu'ils sont des Caïn, ils cherchent maintenant à tuer Abel. Pourquoi? Parce que les saints ne vivent pas avec les injustes. Un saint, ce n'est pas celui qui a une vie comme ça. Sinon, mon saint, c'est le saint. Sinon, le pape sera l'homme le plus saint. Vous voyez comment les catholiques sont en train d'amourir les gens. Les catholiques, ils ont regardé. Et les églises réveillées, ils ont fait ça. Ils se sont introduits au bon moment. Ce qu'ils font là-bas, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ce n'est que de la politique. Mais là, les gens ont les églises catholiques comme c'est plein maintenant. Les gens commencent à dire que c'est l'église catholique qui a la vérité. Est-ce qu'avoir la vérité, c'est refuser la vérité? Avoir la vérité, c'est prêcher la parole. Dieu n'est pas dans le Dieu est dans sa parole. Ce qu'il faut là-bas, c'est juste, j'apprécie ça. Mais cela ne peut pas amener les gens à devenir des catholiques à cause de ça. Mais la sémence n'est pas une semence. Il tombe. Mais si mon seul chasse Kabila, c'est une bonne chose. Amen. Lié avec lui, votre âme. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas la parole des méthodistes ou de celle des baptistes, mais de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ce que nous appelons le temps, c'est quoi? C'est Dieu qui avait déterminé le temps. Faire en dire que Dieu, en tant qu'éternel, lui, il ne connaît rien du temps. Mais il a déterminé un temps juste pour la rédemption. Et le temps que Dieu avait déterminé, ce n'était pas par rapport à mon temps, c'est par rapport à sa pensée. Donc, c'est-à-dire que quand la rédemption commence, jusqu'à ce que la rédemption prenne fin, pour Dieu, c'était ça le temps. C'est pourquoi le frère Manon dit que si vous voulez regarder l'heure, regardez votre monde. Vous voulez connaître les jours, regardez votre calendrier. Il dit, mais si vous voulez connaître les temps selon Dieu, il dit, regardez Israël. Amen. Il dit que Israël, c'est l'horloge de Dieu. Si vous regardez Israël, vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes sortis du temps pour entrer dans l'éternité. Amen. Daniel, il m'a répondu à Daniel, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour le roi de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. C'est Dieu qui avait déterminé ces temps. Et Daniel savait que les temps s'accomplissaient par rapport aux 70 semaines. C'est-à-dire qu'après 70 semaines de Daniel, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi dans l'année 12, Daniel voit. Apocalypse chapitre 10, Frère Manon dit que Daniel a vu les sept tonnerres. Amen. Le temps peut-être partir. Je vais prendre Daniel 12. Daniel 12, je prends le chapitre, le verset 1. Non, je prends le verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui s'était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendais l'homme vêtu de lin qui s'était au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps,
des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, va vraiment dire que c'est la fin de la 70e semaine. Donc, c'est comme ça que Dieu a déterminé le temps. Daniel était en train de prier par rapport au temps fixé par Dieu. Si on arrive à la fin de ce temps-là, c'est fini. L'histoire du temps prend fin. Et quand on dit que nous sommes sortis du temps, nous sommes entrés dans l'éternité, ce n'est pas que nous sommes devenus des XO. Et quand je dis que je suis dans l'éternité, cela ne veut pas dire que tous les voisins dans mon quartier, ils sont aussi dans l'éternité. On peut être les deux ici. Moi, je suis dans l'éternité, mais toi, tu es à l'enfer. Il faut vraiment dire que les sept et l'enfer sont sur la terre. Il dit qu'il est parti dans un shopping center, il avait vu l'enfer là-bas. Ce n'est pas une endroit géographique. Caïn et Abel, ils se promenaient ensemble. Ils étaient dans la même église. Mais Caïn dans l'éternité, Abel dans l'éternité, mais Caïn à l'enfer. C'est-à-dire, comme les frères, comment vous dites que vous êtes dans l'éternité? Moi, je dis, mais toi, tu n'es pas dans l'éternité. Nous, on n'est pas dans l'éternité. Nous sommes en train de travailler. Donc, ça dit que vous n'avez pas la notion de l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un endroit géographique. Vous connaissez ce schéma. Dieu, le temps des Juifs, Dieu avait déterminé le temps, n'est-ce pas? Pour les Juifs, tout ça, c'était le temps déterminé par Dieu. Jusqu'à la fin de la 70e semaine. Voilà pourquoi quand l'homme pour ça descend, il dit qu'il n'y aura plus de temps. Le frère Branham dit pourquoi? Il dit pas que c'était la fin des âges de Christ. Les 70 semaines ont été déterminées pour le peuple de Dieu. De Daniel, c'est-à-dire le juif. Mais pour nous maintenant, ce qui a été déterminé pour nous, c'est les âges de l'Église. Quand nous sommes arrivés après les âges de l'Église, pour nous, l'État prend fin. Nous allons maintenant à ce qui est éternel. Amen. Cela a décidé même la descente de la pierre qui est descendue. Cette pierre-là est venue briser les quatre empires. Amen. Les quatre empires là, la statue là, mon frère a dit que la statue de Nabucodonosor montrait toute la dispensation des gentils. Et pour la dispensation des gentils, c'est l'état que Dieu avait arrêté pour la rédemption des gentils. Amen. Et quand on arrive à la fin de cet état là, pour Dieu, l'état a pris fin. Rien à voir avec la montre. Frère, à tes amonnettes, l'état nous a arrêté. Amen. Dieu ne regarde pas le temps avec le monde, il regarde l'Israël. Il dit maintenant, la génération qui verra les figures bourgeonner. Il dit, comptez une génération compte 40 ans. Avant la fin de cette génération, Jésus viendra. Amen. C'est ça notre monde. Amen. Mais là, frère, vous voulez faire une génération 80 ou je ne sais pas 100 ans. Non. 40 ans, c'est déjà du passé. Frère, on dit qu'on est jusqu'à 77. Là, au milieu, Jésus viendra. Et puis, jusqu'en 1977, on aura, frère, on a dit que Dieu aura traité avec nous le même temps qu'il avait traité avec les Juifs. Et arrivé à la fin de ce temps-là, maintenant, Dieu va mettre fin pour nous introduire maintenant dans l'éternité. Comment est-ce qu'on trouve l'éternité? On nous rappelle simplement qui nous sommes. Parce que la nuit, c'est la seule chose qui vous ramène. C'est ça le livre de la rédemption. C'est la chose qui enlève l'amnésie. C'est ça. Cela ne vous amène pas physiquement à l'éternité. Non. Ça vous rappelle que vous êtes éternel. Parce qu'au temps de Moïse, on va être sur l'éternité. Non. C'est maintenant que nous parlons de l'éternité. Parce que nous avons pris conscience. Et quand vous prenez conscience, vous comprenez que vous êtes un être éternel. Quand vous comprenez que vous êtes un être éternel, ça veut dire que vous êtes dans l'éternité. Amen. Tu ne peux pas être un être éternel et être dans l'état. Frère, il y a les créatures du temps et les créatures de l'éternité. Une créature de l'éternité n'est pas une créature du temps. Il peut avoir un corps, mais il n'existe pas dans le temps. C'est un éternel. Amen. Amen. Dieu se cache le référence à Jésus.
Did you get that? God has dealt with exactly the same amount of time he dealt with the Jews. From the time he gave Abraham the promise until the rejecting of the Messiah in 33 was 1954 years. And now we have 17 years left. We had about 1930 something years. We got 17 years left until 77. Voilà. C'est passé comme ça. Parce qu'on a commencé 40 ans, on est passé. Amen. Donc, il restait 17 ans pour atteindre 77, 77. Mais aujourd'hui, nous parlons 40 ans, 41 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que si on dépasse 77, Dieu commence à traiter, il nous donne plus de temps que les Juifs. C'est injuste. Femme, ça va être exactement le jour. D'ailleurs, nous, notre état devait être chance. Parce que pour nous, on a abrégé le temps. Nous, on peut mettre au moment où nous vivons maintenant, nous dépassons les chiffres déjà de 40 ans. Ça n'existe pas. Amen. Donc, ça dit, l'état, c'était ce que tu avais déterminé pour le jour, et ce que tu avais déterminé pour les gentils. Et ça devait être égal. Mais parce que notre état devait être abrégé, notre état devait être un peu plus court. Et nous sommes déjà arrivés à la fin de ça. Écoutez, vous le bénissez de 70 jubilés, since the beginning of jubilés. Enfin, ça sera la 70e jubilé. Depuis le commencement des jubilés. Et c'est le même jubilé. 1777. Après ça, il n'y a plus de jubilé. Voilà pourquoi les gens ont fêté 50 ans de la nuit où le jubilé était. Oui, il y a faux. Quoi, c'est jubilé? Quoi? Vous comptez 50 ans quelque chose de l'éternité? Avec ça, on ne compte pas les années. Faire enfin, l'éternité veut dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Il est remarqué, il a dit que Ayame, je suis. Moukesh! Oh, brother, walk close now. Please don't miss it. Ne manquez pas ça. Il dit ça. Our business, il dit, it will be what? The jubilee of the going up of the Gentile bride. And the return of Christ to the Jew when they go out of bondage. Ça sera le jubilé du départ de l'épouse. Avant 77, l'épouse devait partir. Frère. 2018, l'épouse n'est pas encore partie. Ah, on a besoin de la parole. Non, je sais vos pensées. Voilà. C'est-à-dire que là nous sommes en train de vivre, les coupes sont terminées. Les trompettes terminées. Les jubilés terminés. Oh, avant les derniers jubilés, il fallait qu'il y ait le départ de l'église. Mais où est l'église? Les gens sont en train de prêcher qu'ils attendent l'enlèvement. Quel enlèvement? Ça devait avoir lieu avant 77. It be the children of the going out of the bride and the return of Christ to the Jew. Et le retour de Jésus vers les Juifs. Le temps est passé, il est parti. Dans le temps de ce roi, Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces. Non pas seulement que ça brisera, mais ça anéantira. Amen. Il mettra les derniers ennemis sous ses pieds. C'est quoi mettre sous ses pieds? C'est avoir le contrôle. À vous contrôler. Frère, le diable c'est quelqu'un qu'on a mis dans un cache. Il ne peut plus bouger dehors contrôler. Nous avons compris que le diable ce n'est pas dans les bars, le diable ce sont les gens des églises. Caïn était religieux. Caïn a construit le diable qu'il voulait adorer. Merci pour William Branham. Frère Branham dit tous ces royaumes-là, et lui-même succédera éternellement. C'est ça que dit que la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours de plus. Et
et qui a brisé le fer, les reins, l'argile et l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Après chapitre 4, après cela. Les songes est véritable et son explication est certaine. Ça, c'était le songe de Daniel, de Nabucodonosor. Daniel donne l'explication. Et le cinquième roi qui était venu, c'est pour briser et anéantir. Le temps des gentils. Pour le temps des gentils, Fabian dit que c'est le temps depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Jésus se présente comme sacrificateur avec sa ceinture au niveau de la taille. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir la rédemption pour les gentils. Maintenant là, quand le diable vient comme cheval blanc, lui il envoie les lions, n'est-ce pas? Quand il vient comme cheval rouge, il envoie les bœufs. Quand il envoie le cheval noir, il envoie l'homme. Ça est Philadelphie. Le cheval pâle, il envoie l'aigle dans la Odyssée. Et puis c'est fini. L'aigle, c'est frère Branham. L'aigle est déjà parti. C'est-à-dire que si le cheval pâle reste, il va nous massacrer. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh. Alors, si William Branham est parti, c'est-à-dire l'aigle est parti, nous sommes restés avec le cheval pâle. Lui, il ne devait pas quitter sans qu'il puisse achever d'abord le cheval pâle. Et puis, dans la statue de Daniel, nous avons Babylone, nous avons Médo-Perse, nous avons Grec et nous avons Rome qui est le dernier royaume. La pierre là ne descend pas au temps du cheval, ça descend après tout ça. Amen. Et dans le saut, nous avons le premier saut, deuxième, troisième et quatrième saut qui clôture les âges de Christ. Amen. C'était ça le temps accompli pour les gentils. Voilà. C'est dans le livre de Ruth, nous avons Ruth 1, qui est Ruth décidant, Ruth 2, Ruth travaillant, Ruth 3, qui est Ruth reposant, Ruth 4, qui est Ruth marié, c'est-à-dire récompensé. Et j'ai ajouté aussi ici, vous allez voir qu'il y a quatre types ici. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Mais les quatrièmes étaient les fils de l'homme. Amen. Et c'est lui qui avait amené la délivrance pour ce peuple-là. Amen. Et quand nous arrivons à tout ça, l'aigle, Rome, quatrième saut, Ruth, avec les quatre fils de l'homme, c'est la fin du temps à. Donc Dieu, que Dieu avait arrêté pour les gentils. Quand on arrive à la fin de ça, la pierre de fête doit descendre. Et l'ange puissant descend pour dire qu'il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire que le temps de la rédemption s'arrête là et nous entrons dans l'éternité. Amen. C'est ça la notion de Dieu. Simple et ça. Laissez-moi clôturer. Correct. Les femmes en disent ici, de leur futur, de sa musique. L'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça. Mais il y a simplement une partie, ce qu'on appelle le temps. C'est-à-dire, vous êtes là, vous tournez, vous entrez là. Là-bas, c'est le corps. Vous entrez dans le corps, vous continuez. Même quand vous êtes dans le corps, vous êtes toujours dans l'éternité. Parce que Paul a dit que si ça s'arrête, c'est plus l'éternité. Dans l'éternité, nous avons toujours été dans l'éternité. Mais là, quand nous sommes marchés, nous sommes arrivés quelque part, on a rencontré le message de Frère Madame, nous comprenons simplement que nous sommes des êtres éternels. C'est tout. Et dès que tu sors, n'est-ce pas, de la chair, tu es toujours dans l'éternité. Parce que, j'ai montré ça, si vous, ça c'est le temps, si vous enlevez ça, ça brise. C'est un cercle parfait. C'est le plus éternité. Or, oh, l'éternité doit être un cercle fermé. Les seuls fermés. Vous ne pouvez pas y trouver dans lui. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Vous continuez toujours, peu importe jusqu'où vous allez. Vous continuez, vous pouvez commencer à tourner comme ça, traverser le plancher, traverser la terre, aller au-delà de la terre. Vous continuez. C'est-à-dire que l'éternité, c'est un cercle
souviens est parfait. Le temps est parti, je lis cette dernière citation. Si vous avez la vie éternelle, il n'y en a qu'une forme, c'est Dieu. Et vous êtes un être vivant exprimé. Si vous ne l'êtes pas de toute façon, vous n'y serez pas. Nul homme ne peut venir à moi si mon Père me l'a attiré. Vous voyez, ça passe. Toutes les anciennes choses, mais ces choses-là, non. Donc, il s'agit de l'éternité. Amen. Le Saint-Esprit est éternel. Amen. Alors, vous êtes dans l'éternité. Là où vous avez toujours été, mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'était passé. C'est tout. Plus de conscience. Bâton, merci, Maïd. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour la révélation de ta parole. Tu nous as montré qui nous sommes des êtres éternels. Pendant que nous avons pensé ces Seigneurs, nous voulons que tu nous joignes spécialement. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer ça prochainement. Que le Seigneur bénisse. On ne va pas chanter parce que nous sommes. Faut que je ne veux pas, Seigneur, parce que vous voyez moins.